asleep in midst the trees. Bats all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goose hacks and raids. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Witcher et mon dieu ce qu'on ne voit foutrement rien. Donc on s'était arrêté ici, il fallait aller dans la grille je crois, voilà. Et pour retrouver le petit bâtard dans le repère, donc je reviens de vacances et évidemment tais-toi, tu vois pas que je suis en train de tourner là, non? Ben non, mais tu fais n'importe quoi aussi. Donc je reviens de vacances donc je ne sais plus jouer hein, comme à chaque fois. Et là il faut la clé, elle est pas là. Mais ta gueule! Et mon téléphone il pète un câble. Donc c'est de l'autre côté. Voilà, c'est d'être par là. Par là. Pas du tout. Mais c'est par où alors? J'avais pas la clé? J'en ai foutrement aucune idée. C'est par là? Là il y avait pas un coffre? Il y avait un coffre, c'est tout. Non, ça c'est l'échelle. Ça c'est l'entrée. Ok. Ok, on en est là. Donc ça c'est l'entrée, donc c'est par là. Oui, bah tu vas passer la porte, s'il te plaît. Ça doit être par là. Voilà. Il doit y avoir un truc ici. Là, regardez. Regardez-moi ça, si c'est pas Thibaut. Par contre, alors, hop, je ne sais plus. Oui, c'est ça, hein. Hard. Ouah, voilà, on casse tout. Et mon épée est cassée. Qui est là? Oh, salut. Tu l'as devant toi. Oui, mais attendez, parce qu'en fait, j'étais pas prêt. Genre moi je viens de commencer, je viens de reprendre là tranquillement et vous avez... Allez bon c'est pas grave, on va les défoncer. Casse ton bouclier toi. Bah venez m'arracher la tête. Si tu crois que ma tête sera mieux sur tes épaules, alors viens. Viens. C'est sûr que vu ta gueule... Bon je la vois pas ta gueule en fait. Merde. C'est tout? Quoi, c'est tout? Mais j'ai même pas galéré. Eh, vous êtes relous, les gars. Kit de réparation. Ah, ça, je prends, tiens. C'est vrai que j'ai pas tendance à fouiller tout le temps, mais... Ouais, on regarde un peu vite fait ce qu'il y a. Non, non, allez, on se part. On s'en fout. Salut! Y a quelqu'un? Donc, nous sommes dans la résidence du petit bâtard. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bon, on va fouiller tranquille, hein. Moi, je... Voilà, je suis un cambrioleur, mais je marche tranquille. Je peux pas déverrouiller la porte par hasard. Ah si, je peux sortir. Ah ouais, je peux sortir carrément. Il y a quoi dehors? Salut! Ouais, bah ouais. Le mec, il se casse le cul pour rentrer. Et puis là, d'un coup, il ressort. Ah mais c'est peut-être pas la maison, en fait. Oh, ah putain, merde. J'ai l'impression que c'est carrément une résidence, hein. Viens là, viens. Toi, avec ton archer, tu vas me faire quoi? Hop là. Avec ton archer, n'importe quoi avec toi. Allez, fonce. Eh, c'est qu'il y a du monde ici, hein. Non, 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 non. Non, non, mais je le savais en plus, arrête. Mouais. Hop là, lui, il est mort. Yeah. Eh, c'est mieux de viser au lieu de crier yeeha à tout bout de champ. Bon, on va re-rentrer, on s'en fout un peu ici. On n'a rien à faire là-dedans. À la base, on était à l'intérieur. Hein. Je sais même pas pourquoi je suis sorti. D'ailleurs, j'ai tout cassé, là. Mon armure est entièrement cassée aussi. Sbire du petit bâtard, salut! Tu m'as pas vu tout à l'heure? Salut! Allez, viens dans le coin avec moi. Est-ce que le bâtard, il est à l'intérieur ou il est dans une autre maison? Ça, j'en sais rien. Sale pervers. Oh déchiré. Merde! S'il a touché un seul cheveu de Ciri, il va le regretter. Salut? Examinez. Mais je veux pas examiner, moi! Elle m'a l'air un peu vieille quand même. Il l'a clouée au mur. Ah, mais elle est morte? Ah oui! Ah oui, d'accord. Les blagues étaient de mauvais goût alors. Effectivement, il y a du sang un peu de partout. Ah, il les a tués carrément! Salut! Elle est là, Ciri? Même pas une capte.
Je prends le temps de regarder et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à gauche? Ouais, pas mal. Ah, tu m'as peut-être vu là, non? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah non, le mec surpris, c'est après 20 ans. Oh, ça fait du bien de se débarrasser. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oui, très bien. C'est moi. Tu te souviens? Dans la fosse. Allez hop, dans ta gueule. Bah ça va, parle maintenant. Fais-le parler, tu vas le tuer, il pourra rien dire après. À l'aide! Au secours! J'ai tué tout le monde. Enfin non, pas tout le monde, mais à peu près. Non mais demande-lui où est Siri, putain! Arrêtez! Tu vas le tuer! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas dire que t'as rien fait, tu es pour rien, c'est ça? Ah, ok, d'accord. Qu'est-ce que vous me voulez? Rien! Je suis venu te parler, hein, ça se voit pas, non? Je suis venu pour parler. Je ferai tout ce que vous voulez. Ah! Ressuscite-les. Comment ça, tu peux pas faire ça? Oh, tu me déçois. Mais calme-toi, je vais pas te frapper, mec. Je suis quelqu'un de pacifique. D'ailleurs, tu devrais revoir qui c'est qui fait tes tatouages. Je vais tout vous dire. Allez, dis-moi. Je cherche une jeune femme et un ménestrel. Je sais que tu les as rencontrés. Fille? Tout ça pour une putain. Voilà, merci. Je veux cendrer une épée dans le dos, comme moi. Oui, oui. Je me souviens. Allez, c'est parti, va me raconter une histoire et on va contrôler Siri, c'est ça? Bon, comme d'hab. Tu vas me dire comment tu as rencontré cette fille aux cheveux cendrés et ce qui lui est arrivé ensuite. Et si tu l'as violée, je te tue. Elle m'a attaqué. Comment ça? Ne mens pas, sinon je te coupe les couilles. Ouais, ça marche aussi. Ah, t'en as pas, c'est ça? On avait passé un accord. Je devais réparer leur filageuse magique, et en échange, la fille et le chanteur devaient m'apporter le trésor de Siggy Reven. Ils n'ont pas respecté leur part du marché, alors. Alors quoi? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai enlevé leur larbin, Dodo, et j'ai attendu qu'ils viennent le chercher. Regardez, c'est ça qu'ils m'ont demandé de réparer. Je vois. Tu sais réparer ce genre d'objet? Moi, non. Non, mais te lève pas, par contre, mec. Ne me fais pas perdre mon temps, je veux des détails. J'ai cru qu'il dans les couilles. D'accord, d'accord. Je vais tout vous raconter. J'attends que ça, hein. Voilà, allez, c'est reparti pour contrôler Siri. Personnellement, j'aime pas trop contrôler Siri. Quelques semaines plus tôt. Un monde vaste. J'ai comme un mauvais pressentiment. Non, pas du tout. Écoute, Jasky, on ne peut pas laisser Doudou entre les mains du petit bâtard. Ah, c'est trop mignon, oui, je sais. Doudou. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un mauvais pressentiment, malgré toute la sympathie que j'ai pour lui. Tu devrais rattacher ton bouton. Je vais y aller seul. Non, 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 je veux pas y aller seul. Tu viens avec moi, Jasky. Tu sais pas te battre, mais j'en ai rien à foutre. Je sais bien. Tais-toi maintenant. Voilà, tu as réussi à savoir dans quelle pièce se trouve Doudou? Une chambre au dernier étage avec un balcon. Je vais passer par les toits. Attends-moi devant chez le bâtard. Et débrouille-toi pour ne pas te faire remarquer. Si jamais, s'ils te font du mal, le bâtard le paiera cher. Par qui? Ouais, mais par contre, tu me sembles un peu trop proche de moi. Calme-toi. Hein. Donc, faut que je passe par là-haut, allez, on monte. Jasky, c'est un vrai pervers, alors j'ai pas trop envie qu'il se rapproche trop de Siri, parce que... Oui, bien sûr. On dirait que tout ça a été fait pour que je puisse monter sur le toit. C'est magnifique, non? Une chambre au dernier étage, avec un balcon. Allez, on se balade sur les toits, tel Assassin's Creed. You. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, le balcon. Okay. Voilà le balcon. Voyons ce qui se passe à l'intérieur. Salut, petit bâtard! C'est fermé. On peut pas voir par la fenêtre, là? Oui!
Ah, mais par là, je suis con. Bah oui. N'importe quoi. À présent, mon cher Dodo, je vais essayer un nouveau... Alors, c'est qui ce Dodo? Celui-ci ne m'amuse plus du tout. Vous êtes foilié. On vous l'a déjà dit. Non, les gens me trouvent charmant. Une fois qu'ils me connaissent bien. Ouais. Dites-moi, vous aimez les rencontres inattendues? Oui, pourquoi? Tu veux me présenter quelqu'un? Moi! Tape-la! Tape-le dans le dos! Ah, te voilà. C'est gentil à toi d'être venu. Je t'attendais. Allez, c'est reparti pour un combat. Et non, je suis derrière. Chaque fois que Cyrilla utilise ses pouvoirs spéciaux, son énergie diminue. Son énergie remonte un peu chaque fois que vous attaquez un ennemi. Les capacités spéciales de Cyrilla redeviennent disponibles lorsque son énergie est remontée au niveau 1. Et je suis là! Non, ici! Non, par là! Là, derrière! Raté! C'est moi que tu... Aïe, 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 aïe! C'est moi que tu traites de salope? Je suis derrière toi, tu sais. Raté. Eh ouais, tu sais pas te battre, mon gars. Eh, ça va? J'ai pas fait trop mal? Ah, mon doudou! Il est là, mon doudou! Voyons. Qu'est-ce que c'est? Ils arrivent! Fuck. Doudou, écoute, voilà ce qu'on va faire. Je te jette contre la porte, tu t'exploses le crâne contre leur armure. Non? Attrapez-moi cette pute! Oh! Je te calme. Salut! L'autre il est en calbute. C'est pas parce qu'il a dit qu'il y avait une pute dans la chambre qu'il fallait te déshabiller direct, hein. Je suis là. Aïe aïe aïe. Oh putain, je me fais défoncer. Défoncez-le, mais je suis une fille. Alors autant salope et pute, ça m'allait pas, autant le, ça me va pas non plus, hein. Si je dois faire ma salope pour que vous dites là, je le ferai. Ramasser HE. Alors, elle ramasse tout seul, d'accord, très bien. Bon. Il est où, Doudou? What? Qu'est-ce que tu fais, Doudou? Arrête de manger le mur! Ah mais non, c'est moi qui l'ai découpé. Et mec, t'as les jambes qui sont en train de se déplacer, là. Bon. Je pense qu'il faut aller voir Jasquier. Échappez-vous du repère du petit bâtard. Ah, il y a du monde. Aïe, aïe, aïe. Bah, par contre, ils font très mal, très mal, très mal. Je les esquive le mieux que je peux, mais... Est-ce que je peux faire un sort? C'est quoi ça? What? Oh putain! Eh, je savais pas que je pouvais faire ça. Et ça, c'est quoi? Eh, plutôt pas mal, hein, moi, je dois dire. T'as oublié ton bras. Eh, un petit coup de main. Bon, ce combat t'a coûté un bras, hein. Bon, allez, j'arrête avec les blagues, là, ça va le faire. Encore du monde, ouais! Wouhou! Aïe, aïe, aïe! Ah! Hop là, toi! J'en ai touché aucun. Toi, t'es mort. Et toi, là-bas? Derrière toi! Non, derrière toi, j'ai dit! Oh! Ils comprennent rien, ces petits bâtards. Hein. Verrouillé. Mais je veux rentrer! Bon, sortons. Salut Jasquier! Il est là Jasquier ou pas? Avec le nombre de petits bâtards que j'ai tués, et le nombre de petits bâtards que Gérald a tués, il en reste encore! Et voilà ce qui s'est passé. C'est vrai, je vous le jure! Et après, elle s'est échappée. Qu'est-il arrivé à la femme?
J'en ai pas la moindre idée. Ouais. Elle a été blessée au dos. Mais elle est encore en vie. Je vous le jure. Ouais, vous n'avez rien d'autre allez, à ajouter. Barre. Non, je vous assure. Je vous ai dit tout ce que je sais. Vous avez blessé la femme et torturé son amie. C'est elle qui m'a attaqué. J'ai fait que me défendre. Je vous en prie. J'ai eu ce que je méritais. Mais t'es sérieux là? T'es autant une tafiole que ça? Pourquoi tu regardes derrière mon épaule là? Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Ouais. Que les choses soient bien claires. J'en ai rien à faire. Cette femme que je recherche est comme une fille pour moi. Donc t'es mort. C'est pour ça que je ne peux pas passer l'éponge. Désolé. Non. De toute façon, regarde les filles qu'il y a au-dessus. Tu crois vraiment que je vais te laisser en vie? Eh, j'ai rien fait, je t'ai pas tué. Ah, c'est bon. Il y a un livre, là. Regarde-moi ça! T'es vraiment... je peux pas te laisser en vie, c'est pas possible. Hein. Wouhou! Eh, tu devrais cacher un peu plus. Bon. Sortons d'ici. Rapportez à Priscilla ce que vous avez appris sur nous. Retournons voir la jante de Jasquier. La petite blondasse. Ma foi, c'est fort sympathique. Ah, eux, ils vont pas me laisser partir. Non, je m'en vais. Ciao. Allez, vous méritez pas de mourir. Salut. Hey. Ah putain, j'ai cru qu'ils allaient pas me laisser sortir. Les mecs, ils voulaient vraiment mourir, quoi. Votre problème est résolu, apparemment. Il est temps de rendre l'appareil. Et Radovid n'aime pas attendre, n'est-ce pas? Non, en effet. Ne suivez-nous. Eh merde! Attendez, je suis pas allé voir Priscilla! Prof. L'Oxenfurt traite au gore de Sa Majesté, l'ancien joyau de la flotte rédanienne, est désormais retiré du service. Joli bateau. Avant de monter à bord, remettez-moi vos armes. Suivez-moi. Relou les gens, relou. Tu crois vraiment que je vais faire quelque chose? Ce navire a été construit grâce au don des nobles rédaniennes. Les plus grandes dames du royaume ont cédé leurs bijoux pour sa cause. C'est vrai qu'il est pas... Non mais je t'écoute même plus, mec. Je peux pas comprendre l'amour que l'on voit sur lui. Non mais il est beau, c'est un beau bateau, c'est vrai. Oh mon bateau. Bon, faut aller là-bas, on a compris. Je peux pas courir? Non, je veux pas voler du... Je ne veux pas voler de l'alcool, non merci. Allez, cours. Salut. Ah, ça y est, je peux courir maintenant. T'es sérieux, là? Il joue encore aux échecs, lui? Ah, vous voilà. Vous avez besoin de mes services, Majesté? Toujours aussi direct à ce que je vois. Très bien. Je veux que vous retrouviez Philippa Ellart. Qui est-ce? Je lui ai fait crever les yeux autrefois, mais apparemment sa cécité ne l'empêche pas de nuire. Sérieux? D'après mes chasseurs, regardez là, c'est Jason Statham, Dame Ellart se terre quelque part à l'est d'Oxenfurt. Son repère est protégé par sa magie. Y pénétrer ne sera pas chose aisée. Bon, c'est Jason Statham avec à côté Eric Judor, tu vois. Mais... Cependant... Je vous en crois capable. Amenez-la moi, vivante. Allez. Je vais y réfléchir. Je vais le faire parce que de toute façon, tu veux que je le fasse. Réfléchissez vite. Je ne voudrais pas que Philippa m'échappe encore une fois. Bon, je vais prendre mon temps pour réfléchir. Tu me presses pas, j'aime pas être pressé, ok? Moi, si tu me presses, je stresse, hein. Et après, je ne sais plus rien faire. C'est bon, c'est tout? C'est tout ce que tu voulais? Je vais regarder si ça fait partie des quêtes principales. Allez voir le roi Radovid. Oui, donc c'est bien une quête principale. Par contre, pourquoi il me dit aller voir Radovid? Je viens de le voir, Radovid. Laissez-moi passer! Bon, je sais pas trop si c'est une quête principale. La quête principale, c'est aller voir Radovid. Donc je suppose que oui. Vos armes. Mais...
Merci. Mais celle qu'il y a actuellement, ce n'en est pas une. Donc. C'est une bonne lame, non? Ce n'est pas la lame qui compte, c'est la main qui la tient. Oh oui, ou la bite qui est coupée. Ah, pardon. Je vais te faire avaler mon épée. Ouais, lui aussi il a rigolé. Ouf. Voilà, allez hop. Du coup, on va aller voir les mages vite fait, on s'arrêtera là. Même si j'aimerais bien passer voir un petit forgeron, où c'est qu'il y a. Petit forgeron, s'il vous plaît, forgeron. Là. L'armurier fera l'affaire. Allez, cours. Parce que bon, j'ai un peu mes armures cassées. Bah, c'est par là. C'est juste à côté, regardez. Ah, voilà. On voit bien que c'est le forgeron ici. Ouvrez. Eh. C'est fermé à clé. Des types comme vous, ça répand le défaitisme. Ah non, il fallait passer par la porte. C'est pas la bonne porte. Okay. Salut. Oh, bonjour. Alors, vous avez un défi intéressant à me proposer? Non, pas du tout, non. Montrez-moi vos articles. Voilà, alors répare-moi ça, s'il te plaît. 105, c'est bien. Ça, ouais. Ça aussi. On va tout réparer, tant qu'à faire. Hop. Je sais pas c'est laquelle d'épée que j'ai. Je sais plus. Ça doit être... non, ça doit être celle-là. Voilà, et celle-là. Voilà, de toute façon, je suis un peu blindé. Hein. Voilà, je suis blindé. Montrez-moi un mais peu non, ce que vous mais avez. Non. Allez, bon vent. Adieu. Voilà, adieu. Alors, on regarde la quête vite fait. Hop, et on s'arrêtera là. Solution théâtrale. Ah non, ça ne fait pas partie des quêtes principales, donc nous ne la ferons pas en vidéo. Je la ferai à part, évidemment. Mais nous ne la ferons pas en vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. La prochaine fois, nous irons voir Priscilla. Merci à tous, bisous, bye bye. Bye bye.